Hey, Matelot ici Defroi. Aujourd'hui je vous propose un tutoriel pour réaliser cette maison sur Minecraft. Une maison du style 18e siècle qui m'a été quand même très fortement inspirée par les maisons de Arcachon, sur le bassin d'Arcachon du coup. Et ma foi, j'aime beaucoup cette petite maison pour le coup. Hop, avec voilà, toutes ces terrasses couvertes avec... voilà, cette façade assez sympathique mine de rien je trouve. Et donc on avait déjà fait une vidéo pour visiter cette maison, donc si jamais vous avez envie de l'aménager, hop, de la même façon que moi, eh bien j'ai déjà visité tout ça, hop, sur une vidéo il y a quelques jours de ça, il y a une petite semaine, un peu moins d'une petite semaine, qui est sortie. Bref, aujourd'hui du coup on va se concentrer sur le tutoriel et je vais d'abord et avant tout vous montrer le nombre de blocs dont vous allez avoir besoin pour réaliser cette maison. Hop. Ok, hop, j'ai enlevé les shaders pour que ça soit plus joli. Bref, enfin, mieux compréhensible, pas plus joli du coup. Alors, je vous invite à prendre du grès taillé avec vous. Alors, je précise aussi que le pack de textures que j'utilise est le Faceful x64. C'est un pack qui dénature pas vraiment la réalité. Du coup, c'est cool. Donc ici vous avez les piliers de structure, les patterns au sol des piliers de structure de la maison, et donc je vais vous donner tout ça morceau par morceau. On va d'abord faire là le bassin qu'il y a ici, hein, vous voyez, donc qui est juste là, hop, dans le coin de la maison. Donc vous mettez votre premier pilier, votre premier repère en tout cas au niveau du sol, dans le coin ici, voilà. Hop, entre ce bloc là du coup et celui-là, il y a 7 blocs de décalage, ok, vous remettez un autre pilier. Hop, entre ce bloc-là et celui-là, il y a 15 blocs, vous remettez un autre. Et normalement, logiquement, voilà, il y a 7 ici et 15 à ce niveau-là. Donc là, vous avez voilà, votre petit rectangle de grès, hein. Donc vous mettez du grès dans le sol directement comme ça sur 3 blocs de profondeur. Et le 4e bloc en profondeur, en fait... Eh bien, on va mettre du béton bleu clair dedans. D'accord? On enlève cette partie-là et on met du béton bleu clair à la place. Hop. Et voilà, on met du béton. Hop. Et voilà, donc surtout de la surface. Alors, donc du coup, je vais vous donner les dimensions pour placer les autres piliers, en tout cas les débuts de piliers. Vous prenez ce coin-là, d'accord? Et vous comptez, hop, 5 blocs ici d'écart et vous remettez un autre après. Entre ce bloc là et ce bloc là, il y a 7 blocs, d'accord, et vous remettez un derrière, tout aligné. Hop, entre ici et ici vous avez 7 blocs à nouveau et donc vous êtes aligné avec les autres là-bas. Hop, donc normalement vous avez cela. Alors entre ce bloc là et ce bloc là, vous avez 9 blocs de distance. Donc la même chose entre ici et ici, entre celui-là là-bas et celui-là là-bas, d'accord? Entre ce bloc-là et celui-là, vous en avez 7. Hop, entre ici et ici, du coup, vous en avez 7. Donc la même chose ici et là, la même chose ici et là, hein, évidemment. Et donc ici, vous voyez l'écart de 5, je crois, si je dis pas de bêtises. Non, c'était pas 5 blocs. Si, c'est ça, c'était 5 blocs qu'on avait entre ces deux piliers là. C'est la même chose entre ceux-là là-bas et ceux-là là-bas, évidemment. Hop, entre ici pardon, et là, vous en avez 7 encore. Mettez votre pilier de grès. Et entre ici et ici, vous en avez 7 à nouveau. De sorte que, bah voilà, ce pilier là, il est aligné avec ceux-là là-bas du bassin. Et pareil ici. Cette ligne-là et cette ligne-là sont les mêmes. Elles sont espacées, hop, de 7 blocs, bien sûr. Ok. Donc une fois que vous avez fait ça, en fait on va faire le socle de la maison. Si vous pouvez regarder sur notre modèle, en fait le premier étage de la maison il est légèrement surélevé, vous voyez. Hop, ici, donc le rez-de-chaussée plutôt, il est surélevé de 1, 2, 3 blocs au-dessus du sol. Et donc c'est ce qu'on va faire. On va reprendre chaque bloc qu'on a mis ici, on va les monter à 4 blocs de hauteur, tous. Sauf évidemment les piliers du truc en bleu là, comment ça s'appelle? Le bassin, voilà. Allez hop. Ok. Donc, une fois qu'on a ça, en fait, au niveau du bassin, j'ai voulu le prendre à part parce que c'est un petit peu différent. En fait, ce pilier là, on va le monter à 4 blocs aussi. Celui qui est en face, vous voyez, en diagonale, à 4 blocs également. Celui-là, on ne le touche pas. Et celui-là, on le met à 3 blocs. Ok, voilà. Alors, une fois qu'on a ça, bah, du coup, on va mettre une plateforme, en gros, de grès, hein, comme vous pouvez le voir ici. Donc partout, là, hop, ça va être du grès. Grès normal, grès taillé, en fait, un peu ce que vous voulez. Hop, et donc, on va mettre, à partir de 3 blocs de hauteur, hop, comme ça, une délimitation de pilier en pilier. Hop, comme ça, hop, vous voyez, et on va faire tout le tour comme ça de la maison, hop, voilà. Donc j'ai vraiment fait le tour de la maison, hein, comme vous pouvez le voir, et maintenant l'idée c'est que tout l'intérieur de cette surface, on va la remplir avec du grès, voilà, hop. Alors, une fois qu'on a notre petite plateforme, comme ça, on va faire la partie en dessous, d'accord? Parce que là, c'est vrai que bon, on voit tout au travers. Alors, comme vous pouvez le voir sur notre modèle, on a des espèces de trous dans le bas de la maison, histoire de donner un petit peu de relief. L'idée, c'est tout simplement d'alterner un coup du grès normal avec des escaliers l'un sur l'autre, histoire de donner un petit peu de relief comme ça. On va d'abord et avant tout placer les escaliers, parce qu'il y a 3 escaliers à placer, d'accord? Donc on va prendre ce pilier là, on va en mettre un autre à côté ici comme ça. On va faire un trou ici de 3 blocs de large, on va mettre des escaliers, alors je sais plus si ce sont des escaliers en grès lisse ou en grès normal. Hop, en grès lisse, très bien. Hop, donc voilà, on met sur le côté de nos 2 piliers comme ça, une rangée de 3 blocs, hop, comme ça, d'escalier, hop, comme ça, tac, tac, tac. On fera l'aménagement de l'escalier un petit peu plus tard, hein, bien sûr. Donc on met notre premier escalier ici, on va en mettre un deuxième à ce niveau-là, donc on va laisser 2 blocs ici comme ça. Et non, alors on va compter 1, 2, 3 blocs à partir du bord. On va compter 3 blocs ici comme ça d'ouverture pour qu'en plein milieu on puisse avoir un vrai escalier. Hop. Donc là c'était pour montrer où il sera. Hop, on va mettre les escaliers comme ça. Hop. Comme ça, vous voyez. Tac, tac, tac. On va mettre une rambarde d'escalier quand même sur le côté parce que bon quand même. Voilà, d'accord. Et on va mettre un 3e escalier ici, là vous voyez, parce que, comme je vous ai montré au tout début de la vidéo, hop, eh bien on a un espèce de tunnel sous la maison qui permet de traverser la maison de part en part. Moi j'aime bien ce genre de truc. Hop, et donc voilà pareil, des escaliers en grès lisse. Hop, donc, ah non c'est ici, sur le côté, là vous voyez, en face de l'autre escalier qu'on avait mis de l'autre côté. On fait un trou en plein milieu de 3 blocs de large, tac tac tac, hop hop, et sur les côtés de l'escalier on utilise du grès normal, hop, pour faire voilà les rambardes de l'escalier. Ok, une fois qu'on a fait ça, on va venir mettre du coup, hop, comme ça, des piliers en grès, alors en grès taillé ici. De cette manière, on mettra des escaliers à l'endroit au niveau du bas, à l'envers au niveau du dessus. Et vous voyez, ça nous fera des espèces de petits trous comme ça en carré, qui est assez sympathique. Et on fait ça sur toute la longueur du bâtiment, sauf au niveau du bassin. Ok. Voilà, donc on refait pareil ici, hein, des escaliers partout. Hop, des escaliers ici pareil. Sauf qu'au niveau du bassin, à ce niveau-là, on va faire quelque chose d'un petit peu différent. Je vais vous montrer ce que ça donne. Hop, on va mettre des escaliers comme ça. Vous voyez? De sorte que ça donne un truc un peu différent, voilà, dans l'idée. Donc, alors, si je compte bien, il y a 3 blocs ici. On en met un 4, tac, tac, tac. Ok. Donc, sur le bord de notre bassin, à ce niveau-là, on prend notre pilier ici. On va laisser, hop, 3 blocs ici de marche sur le côté. Hop. Et ici, comme ça, paf, 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 on va mettre des escaliers disposés de cette façon. Tac, tac, on met du grès ici comme ça, et on remet des escaliers, etc., etc. Hop, 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 hop. On laisse un morceau, tac, 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 tac. Ok, vous avez bien compris l'idée. Et vous voyez que là, bah, on voit au travers des escaliers, donc c'est moins sympa. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est soit prendre du grès normal, hop, soit du sable. J'ai utilisé du sable, moi, sur la maison là-bas, pour mettre derrière, tout simplement, ici, les escaliers, histoire de ne pas voir au travers de la maison. Là, vous voyez ce que ça donne avec de la sandstone, du coup, du grès mis derrière les escaliers. D'accord. Et sur la maison, j'ai mis avec du sable, donc on a un petit peu plus de couleur avec du sable. Vous voyez ce que ça donne. Donc à vous de décider. Sur le côté ici, vous voyez, du bassin, on en mettra 2 aussi comme ça. Voilà, donc ici, hein, je vous remontre pas. Alors, au niveau du reste du bassin, donc à ce niveau-là et ici, on va utiliser des escaliers à l'envers pour faire une espèce de barrière. De cette façon, vous voyez, ça donne quelque chose d'assez sympa. La même chose ici. Hop. Voilà, et après vous pourrez mettre de l'eau. Je vous remontre pas, mais il faudra mettre un bien 2 parties en escalier ici et ici. D'accord, comme on a fait là. Et puis bah, pour le reste, on met de l'eau en fait. Alors, c'est vrai que c'est un bassin un peu particulier. J'appelle ça un bassin d'ailleurs et pas une piscine parce que, ben, parce qu'il n'y a pas de plongeoir, il n'y a pas d'accès en fait à cette partie-là. Donc c'est plus un bassin effectivement qu'une piscine. Bref, on met 3 blocs de hauteur d'eau. Hop, c'est bon. Alors maintenant pour le deuxième étage, on va mettre déjà, hop, un bloc ici sur le coin, d'accord, un autre bloc derrière, et à partir de ce bloc derrière, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs d'écart, et on va me remettre un bloc ici. Vous voyez, donc pas sur le bord directement du bassin, mais vraiment un bloc derrière. Ok. On va mettre des escaliers en grès, hop, ici, comme ça, voilà, comme ça on a vraiment le bassin qui est un petit peu isolé du reste. Alors, on va utiliser, hop, du grès taillé pour en mettre ici. Vous voyez, on n'est pas au-dessus de l'escalier, on est juste un bloc derrière, d'accord ? Et tous ces blocs là, donc celui-là, 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 là-bas, et tous les autres blocs ici, d'accord, on va les monter à 5 blocs, à 6 blocs de hauteur supplémentaires. Donc là, on a un bloc qui dépasse, 2, 3, 4, 5 et 6 blocs au-dessus de la plateforme de base, d'accord, 6 blocs au-dessus pour tous, sauf pour celui-là et pour celui-là. Tous les autres à 6 blocs. Allez-y. Hop, voilà. Alors, du coup, pour les 2 blocs qu'on avait laissés en plan, donc ces 2 là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des murets en grès pour en mettre 2 au-dessus de chacun d'entre eux, tac, tac. Et encore au-dessus, on va mettre 1, 2, 3 blocs de grès normal, c'est combien celui-là? Du grès taillé. 1, 2, 3. Et donc, vous voyez, on a tout à la même hauteur. Une fois qu'on a ça, on va venir faire vraiment le plancher du deuxième étage. Donc, on va compter 1, 2, 3, 4, 5 blocs. Ok, et à partir du 5e bloc, on va faire une ligne comme ça. Hop. Alors, ok, on arrive ici. Non, ici. Ok, bah, je vais vous montrer. Hop. Alors, voici un peu la forme du plancher du 2e étage. Ok, ça aura toute cette forme-là. Le truc à voir, c'est que on a donc relié ces deux piliers-là, tout va bien. Sauf qu'à partir de ce pilier-là, on va un bloc à côté pour relier les autres piliers qu'il y a ici, vous voyez. Donc c'est normal, il y a un décalage. Normalement, comme vous pouvez le voir sur tous les autres piliers, hein, on devrait commencer ici, vous voyez, dans l'axe. Là, c'est pas le cas. On met vraiment un bloc derrière et on relie les piliers comme ça. Et à partir de celui-là, on va dans ce sens-là et tac, 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 on relie tout. D'accord ? Voilà, une fois qu'on a ça, eh bien, on remplit la zone, la surface avec du grès. Tac, tac. Ok. Donc, une fois qu'on a rempli cette surface, on va prolonger et on va directement faire le plancher du 3e étage. On va prendre donc ces blocs-là, ok. Je vais vous montrer déjà mieux. Tac, tac, ici, 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 ici. Donc voilà, tous les piliers que je viens de surélever. D'accord, donc ceux du coin de la maison ici, en fait, vous voyez, hein, donc pas ceux-là, ni les deux au fond, mais bel et bien tous les autres ici. Eh bien, on va faire des piliers de 6 blocs au-dessus de la plateforme qu'on vient de faire, au-dessus du 2e étage ici. Donc on venait sur le plancher, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs, ok, et on fait ça pour tous les piliers que je vous ai montrés. Ok. Voilà ce que ça donne. Ok, donc maintenant, on va reprendre ce pilier-là. Vous voyez, celui qui est un peu bizarre. On va reprendre les murets en grès. On va en remettre 2 comme ça. Et on va remettre 1, 2, 3 blocs de grès au-dessus. Ok. Une fois qu'on a ça, on va venir faire le tour, hop, de la forme, en fait, du plancher pour le 3e étage. Je vais vous le faire. Voilà. Donc cette forme-là, ce sera la forme du plancher pour le 3e étage. Hein. Comme ce qu'on avait fait en dessous, vous voyez ici où on avait un décalage par rapport au pilier, hein, c'était juste à côté qu'on avait mis le plancher. Et bien là c'est la même chose au-dessus, vous voyez il y a un décalage ici entre le pilier et ce pilier-là en fait. Mais c'est normal, c'est tout à fait voulu, c'est tout à fait normal. Donc voilà, il ne nous reste plus qu'à remplir cette zone-là avec du grès. Hop, hop. Alors voilà pour la partie de la maison elle-même, il y aura une terrasse à ce niveau-là. Et on va aussi faire une autre terrasse, on va reprendre les murets en grès, d'accord? On va aussi refaire une autre terrasse ici. Donc au-dessus de ces piliers-là, on va rajouter 2 blocs de murets en grès. Hop, par-dessus du grès taillé sur 1, 2, 3 blocs de haut. 1, 2, 3, ok. Et on les relie comme ça. Hop, ok. Voilà, et on comble cette zone-là aussi, hein, tant qu'à faire. Hop. Ok, donc voilà un peu ce que ça donne. On va continuer sur notre pilier ici. On va remettre 2 blocs de muret au-dessus comme ça. Et cette fois-ci, on va rajouter 1, 2, 3 et 4 blocs de grès au-dessus. Tac, 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 tac. Et on va prolonger du coup les différents piliers, hein, qu'on avait déjà à 7 blocs de hauteur au-dessus du plancher pour certains et à 12 blocs pour d'autres. Donc ce bloc-là là-bas, ainsi que celui-là et celui-là, on va les mettre à 7 blocs, d'accord? Donc les 4 ici. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5... Hop, 7. Donc voilà, hein, ces 4 là à 7 blocs. Les 4 ici en plein milieu, on va les monter à 12 blocs de hauteur au-dessus du plancher. Donc là on a 1 bloc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La même chose pour les autres. Voilà. Et les 2 petits ici qui restent, on les monte à 7 blocs comme les 4 premiers. D'accord, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc., etc. Ok, Une fois qu'on a ça, on va pouvoir venir mettre la charpente pour le toit, d'accord? Donc l'idée, c'est de venir ici, on va mettre des blocs par devant, on va compter 1, 2 blocs vers le haut, 1 sur le côté, 2 vers le haut, 1 sur le côté, 2 vers le haut. La même chose de l'autre côté, 2 vers le haut, 1 sur le côté, 2 vers le haut, etc. etc. Jusqu'à ce que les deux parties se rejoignent comme ça. Ok. On va faire la même chose ici. Donc, ok. J'ai bien fait, ouais, voilà. Ok, même chose comme ça. La même chose ici. Hop. Normalement, on est aligné avec l'autre en face. Donc là, c'est bon. Tac, 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 tac. Alors, on arrive jusque-là, donc tout va bien. Hop, dans ce sens-là, on va le faire comme ça. D'accord? Comme l'autre en face. Donc, tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Sauf que pour cette façade ici, on va juste enlever les blocs qu'il y a au niveau des coins, comme ça, vous voyez. Hop, ici, pareil, on va faire comme ça. Hop, ok. Celui-là, on lui laisse les coins. Par contre, il n'y a vraiment que cette partie-là où on va enlever les coins ici. Alors, sur la partie des 4 piliers qu'on avait mis au milieu, eh bien, on va faire la même chose, tout simplement. Ici, sur le côté, tac, tac, paf, tac, tac, paf, tac, tac, paf, tac, tac. Tac, paf, tac, tac, paf, tac, tac, paf, tac, tac. Hop, en face, pareil. Hop. Vous voyez donc, quand on est face à la maison, les charpentes du toit se présentent de cette façon. Par exemple, je sais que certaines personnes font des erreurs, par exemple, auront mis une charpente entre ce pilier-là et ce pilier-là. Il y en aura une, mais on verra ça plus tard. Non, non, c'est vraiment dans ce sens-là. Ok. Faites attention un peu au sens, du coup. Donc, une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir relier les différents piliers entre eux. Donc, on va revenir sur notre plancher. On va compter 1, 2, 3, 4 et 5 blocs de hauteur. D'accord? Et à partir du 5e bloc, on va mettre hop, des piliers comme ça qui vont se hop, toucher les uns les autres. Ok. Voilà ce que ça donne. Du coup, on relie tous les piliers comme ça. Sauf que cette fois-ci, on ne va pas remplir l'intérieur de cette surface. On va juste remplir une partie de l'intérieur, d'accord? Donc, ici, là, dans cette partie-là de la maison, on va juste prendre ce pilier, cette poutre ici plutôt, et on va poursuivre, hop, comme ça, histoire de couper un peu la zone en deux, vous voyez? Et c'est cette partie que l'on va remplir, ok? Hop, ok. Et le reste ici, on ne mettra rien parce que comme je vous avais montré dans la vidéo de visite, hop, si vous vous rappelez bien, est-ce que j'ai un passage ici? Ouais, hop, hop, voilà. Eh bien, on a un salon qui est ouvert et on a directement les toits, les charpentes visibles en fait depuis ce salon. Donc on a une hauteur sous plafond très importante. Et hop, ici, la partie qu'on vient de faire, du coup, c'est celle-là, qui sera donc une sorte de mezzanine pour une immense chambre avec un salon et avec un bureau et avec le lit, tout ça. Donc voilà, comme je vous avais montré dans la vidéo de visite, je vous remontre pas. Alors, maintenant, on va faire la dernière partie, en gros, de la structure. On va venir ici, sur les grands piliers qu'on avait fait tout à l'heure. On va venir prendre cette poutre-là. Et on va compter 1, 2, 3, 4, 5 blocs en hauteur ici comme ça. Et à partir de là, on va relier les 4 piliers, les 4 grands piliers finalement. Hop, tac, 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 tac. Voilà. Ok, donc là, on a vraiment tous les niveaux de la maison qui ont été créés finalement, tous les planchers. Donc au final, il y en a 1, 2, 3, 4. On pourrait dire qu'il y en a un 5e ici, mais il n'y a pas de plancher véritablement. Donc une fois qu'on a ça, en fait, on va prendre le grès toujours et on va venir mettre voilà, des blocs comme ça. Même chose de l'autre côté. et on va faire une espèce de mini fenêtre, c'est-à-dire qu'on va laisser deux blocs ici de marge sur le côté. On va mettre des blocs comme ça. Ok. Et on va même creuser ici. On va même mettre un deuxième comme ça. D'accord. Et là ça va nous faire notre une petite fenêtre finalement. La même chose de l'autre côté. Tac, tac, tac. Tac, tac. D'accord. Ok. Une fois qu'on a ça, on va mettre ici, entre ici et là, hop, bas des blocs comme ça de grès. D'accord. La même chose de l'autre côté, entre ici et là. Ok. Je crois qu'il y en a ici aussi. Donc on va venir mettre du grès comme ça, sur deux blocs au-dessus. Et juste en plein milieu ici, on va mettre un trou pour pouvoir mettre une future fenêtre. Hop, la même chose ici. Youp. Comme ça. Ok, ça c'est pour le futur... comment on appelle ça? Les futures fenêtres, le futur toit. Alors, ici sur le côté, on va faire quelque chose d'un peu particulier. Qui ne sera visible que de l'intérieur de la maison. Vous allez comprendre plus tard. En dessous de chaque... de chaque cran comme ça, vous voyez, du toit, on va rajouter 1, 2, 3 blocs comme ça en dessous, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sauf au niveau de la pointe, on rajoute 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et à la limite ça on l'enlève, parce que voilà, comme ça c'est plus joli, ça sera visible uniquement de l'intérieur, c'est pour ça, à la limite 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Hop. Voilà, on enlève cette partie-là. Alors, je sais que certains me disent aussi dans les commentaires de temps en temps que c'est un peu énervant que je fais des trucs et après je les enlève après coup. Et voilà, ils préféraient que je fasse directement ce qu'il faut dès le premier coup. Sauf que voilà, c'est ma façon de builder, je suis assez méthodique. Et voilà, c'est la façon... que j'utilise pour construire. Vous voyez, donc cette poutre qui était là par exemple, je l'enlève, mais c'est normal dans ma façon de construire. Voilà, bref, donc je fais comme ça. On va faire les murs maintenant, parce que c'est vrai que bon, on voit un petit peu au travers quand même de la maison. C'est vrai qu'ici j'ai pas fait le sol, mais vous le faites évidemment. Normalement, paf, 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 paf. Alors ici il y en a un en trop. Hop, voilà, comme ça, hein, on les fait comme ça. Tac, tac. Youp. Ok, hein, voilà, évidemment. Bon, on fera ça sur tout le tour, bien sûr. Alors, les murs, maintenant. Alors ça, il y a un truc qui est assez intéressant. Vous reprenez les blocs de grès taillés, vous les mettez ici, comme ça, et comme ça. Tous les deux blocs, finalement, hein, vous voyez. Et ça nous fait un petit peu un effet de créneau. Vous voyez, au niveau de chaque pilier, on va faire ça. Tac, 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 ok. Un peu comme des créneaux de château fort quelque part, mais qui sont visibles uniquement dans l'architecture de la maison. Ce qui est assez sympa. Vous voyez, on fait vraiment ça sur tous les piliers. Tac, tac. Hop, là où... Dans la direction des murs, hein, évidemment. Hop, vous voyez. Hop. Hop, 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 là il faut bien voir qu'il y aura un tunnel ici, donc il ne faut pas mettre par exemple de blocs comme ça. Non, il n'y aura pas de mur à ce niveau-là, donc on ne met pas de blocs ici, on met juste dans cette ligne-là, dans ce sens-là. Ici aussi comme ça, tac, 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 etc., etc. Vous l'aurez compris, hop, ok. Vous voyez un petit peu comment... c'est fait ces histoires. Et c'est vrai que regardez, quand on regarde sur la maison, c'est ça qui donne un côté vraiment sympa. Vous voyez tous ces créneaux là un petit peu. Si on avait mis ça tout en briques partout, hop, regardez ce que ça aurait fait sur cette partie de maison. Bah ça serait bien aussi, mais ça aurait perdu de son... Ça aurait perdu quoi, vous voyez, ça aurait été moins intéressant. Hop, non, j'ai mis comme ça. Tac. Tac. Donc, une fois qu'on a mis tous nos blocs comme ça, on va utiliser de la brique. Quelle surprise! Alors, la brique, t'es où la brique? Elle est là, la brique. Hop, et on va remplir le mur ici comme ça. Sauf qu'on va toujours laisser un trou en plein milieu, vous voyez. Donc ici, là, c'est juste un trou de 3 par 2 pour la fenêtre. Hop, la même chose ici, vous voyez, on va faire un mur comme ça. Et on va laisser un trou pour la fenêtre ici. Vous voyez, pareil à ce niveau-là, d'ailleurs, dont j'ai oublié de mettre les créneaux. Hop. Hop. Etc. etc. Et en gros, on laissera toujours une fenêtre sur le mur, sur ce mur-là, soit une fenêtre, soit une ouverture pour une porte. Ici, vous voyez que c'est un petit peu plus large. Les murs sont un petit peu plus grands sur l'ensemble de la hauteur. Et donc, on va juste mettre... Hop, une fenêtre aussi, sauf qu'il y aura un petit peu plus de murs autour, quoi, tout simplement. Hop, vous voyez. Il faut toujours avoir la même taille pour les fenêtres, comme ça c'est plus simple. Sauf au niveau du toit, où ça sera un peu différent. Mais pour les murs, les fenêtres seront toujours à la même taille, comme ça c'est plus pratique. Vous voyez, ici le mur est plus grand que ici, mais les fenêtres sont de la même taille. Ici, il y aura une porte, vu qu'on est devant un escalier, et donc on met juste un mur comme ça. Et on met rien au niveau du bas, bien sûr. Les portes seront de 3 blocs de large. Comme ça, voilà, comme ça, comme ça on peut passer. Ça fait des grandes portes, c'est cool. Hop, voilà, etc., etc. Et donc vous avez compris, hein, on fait des murs partout, partout, partout. Là où il y aura des portes, par contre, je vais vous les donner, c'est ici. Vous voyez, donc là il y a un grand mur. On va laisser une porte de 3 blocs de large en plein milieu. Et le reste autour, on met des murs. Hop, ici comme ça, d'accord. Ici, c'est un mur complet, etc. avec la fenêtre en plein milieu. Ici, ce sera une porte, donc on laisse un trou. Hop, comme ça. Hop. Ah, hop. Voilà. Sinon, pour tout le reste ici, ce sera des murs. L'idée... Pour les prochains étages de la maison, c'est que dès que je mettrai une ligne de briques comme ça au niveau du bas, ça sera un mur voilà, classique, il faudra toujours mettre une fenêtre dedans. Et dès que je laisserai, ok, vous voyez, une ouverture comme ça sera une porte. D'accord? Hop. D'ailleurs, ici, vous remarquez qu'il y a un trou, donc on va utiliser des escaliers pour remplir un peu ce côté-là. Ok, je vais vous montrer du coup comment faire le reste des autres étages. Alors juste une petite précision que j'avais omis de dire, c'est que ce mur là, vous voyez que vous avez sur la façade hein, ici, eh bien on va complètement le boucher, il n'y aura pas de fenêtre dedans, tout simplement parce qu'on va mettre un escalier hop, à ce niveau là pour atteindre bah, la partie du dessus. Donc en plein milieu ici, vous voyez de notre... En plein milieu, on va mettre 3 escaliers comme ça. Tac, 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 comme ça. Allez, voilà. D'accord. Et on va rajouter des murs. Hop, comme ça. Ok. Ok, hein, vous avez compris l'idée, hein, c'est un bête escalier assez simple. Et en dessous de cet escalier, on va tout simplement rajouter des briques ici comme ça, de part et d'autre, ok, pour que ça donne cet effet-là. Et donc forcément, bah, il n'y a pas de fenêtre, hein, parce que... Hop. Oula. Voilà. Tout simplement. Donc du coup, voilà, je suis en train de faire les autres murs, hein, je vous montre ça tout de suite. Hop, je vous montre vite fait ce que ça donne avec tous les créneaux mis. D'ailleurs, non, tous, j'ai oublié un ici. Mais voyez un peu ce que ça donne. Donc, les murs vraiment, seront mis ici, là, vous voyez. D'ailleurs, il y aura aussi une poutre comme ça, d'accord. Ben voilà, tout simplement. Peut-être si jamais certains ont des questions ou se posent des questions de comment orienter les créneaux sur les murs, vous voyez, ben c'est de cette façon-là. Hop, vous voyez, ici c'est une grande terrasse couverte, d'accord. Et donc les murs seront ici, là et là. Peut-être sur le modèle ça sera plus parlant, vous voyez. Donc ici on a la terrasse, les murs ici et ici. Donc du coup les créneaux vraiment sont au niveau des murs, hein, tout simplement. D'accord. Hop. Donc voilà, donc à ce niveau-là, ici et là, c'est vide. Et donc les murs sont ici et ici. Donc on met que des créneaux ici, pas à ce niveau-là bien sûr. Hein. Sur tous les piliers sur lesquels il y a des murets, on ne met pas de créneaux. D'accord? Et puis voilà, j'ai plus qu'à mettre la brique. Hop. Voilà ce que ça donne. Alors, bon, les fenêtres sont toutes les mêmes, hein, je vais arrêter de le dire. Ici, juste, vous voyez, au niveau des grands piliers, hein, tout à l'heure, eh bien, on va tout simplement mettre des portes de 1 bloc de large sur 3 de haut pour atteindre cette terrasse-là. Et sur la terrasse du dessous, bah, on mettra des portes d'un même pareil, quoi. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à vous montrer? Si ce n'est au-dessus, vous voyez, de la... des escaliers ici, pareil, on a mis des fenêtres qui ne seront que d'un seul bloc de large, contrairement aux autres. D'accord? Sinon, bah voilà, je vous fais un peu le tour. Ah bah j'ai pas fini celui-là, tiens d'ailleurs. Tac, 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 tac. Et puis voilà. Donc ici, pareil, hein, pour accéder à la terrasse, on a une porte à ce niveau-là, 3 blocs de large, classique. Et bien sûr, des portes ici et là pour accéder, pareil, bah, aux terrasses qu'il y a ici et là. Voilà. Alors, il nous reste juste ce dernier mur ici. Et donc, on va faire la même chose. Tac, 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 tac. Ok. Tac, 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 tac. Et on va remplir avec, des machins. Hein. Ok. Voilà, une fois qu'on a ça, du coup, on va rajouter aussi de la brique dans les parties du toit. Vous voyez, en dessous de cette charpente à ce niveau-là, on va rajouter de la brique aussi. Et on va faire une petite fenêtre dedans. Hop. On le fait de 3 blocs de haut, je crois. Il me semble que c'est 3 blocs. Ouais, voilà, vous voyez, hein, donc 3 blocs de hauteur ici. Et donc, on va refaire la même chose que ça. D'accord, hop, ici. Ah, j'arrive pas à mettre les blocs où il faut. Voilà, donc ici on refait la même chose. Ici également. Hop, d'accord. Et youp, ici aussi. Attention, il ne faut pas les faire à ce niveau-là. D'accord, ici il n'y a rien. Donc bah voilà, hein, on fait ça. Hop. Et puis voilà. Alors, avant de faire le toit qui sera un petit peu complexe, hein, c'est vraiment la partie difficile de la maison, le toit, hein, qui est vraiment très proéminent, bah, qui est très bien, mais qui est compliqué. On va d'abord faire les finitions au niveau des murs, au niveau de tout ça. Donc au niveau de l'entrée, hop, on reprend le grès taillé, on en met un ici, tiens, ici au-dessus, en dessous, pour que ce soit plus joli. On va mettre des escaliers en grès, hop, ici, là, à l'envers, pour faire des barrières au niveau des terrasses. Hop, ici, au niveau du haut, des escaliers. On va faire ça comme ça. Des escaliers aussi. Ici, pareil, des escaliers à l'envers. Hop. Hop, ok. La même chose au-dessus. Et yep. Hop, pareil du coup au niveau de cette terrasse-là et cette terrasse-là aussi, hein, bien sûr. Hop. Hop. Vous voyez, ça donne déjà quelque chose de beaucoup plus fini tout de suite. Hein, c'est déjà tout de suite beaucoup mieux. On va utiliser maintenant, on va continuer à utiliser les escaliers, hein, tant qu'à faire. On va venir au niveau du sol ici, comme ça. Et au niveau des piliers, du haut des piliers, comme ça, vous voyez, on va rajouter des escaliers à l'envers, comme ça. Pour coller au plafond. Hop. J'ai pas mis le mur ici, c'est pas grave. Paf, paf. Vous voyez, ici comme ça. Tac, tac. Ici non plus. Vous voyez. Hop. Alors ici, bah on n'en met pas. Attends, comment je m'étais débrouillé? Ah, d'accord, je l'avais mis en dessous des dalles. Ah, ok. Donc on en met quand même. On met quand même un escalier ici comme ça. Hop, donc vous voyez, la même chose au-dessus avec cette partie-là. Ok, hop, ici aussi. On va en mettre une ici aussi, un escalier. Ok, et pareil à ce niveau là, au niveau des terrasses couvertes. Hop. Ok, et pareil, voilà, paf, 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 ok. Et puis voilà, alors du coup, maintenant on va utiliser des dalles en grès, ok, et on va venir les mettre comme ça sur le côté de la maison, mais on va les mettre plutôt vers le bas, vous voyez, plutôt vers le bas du bloc ici, donc à 2 blocs de hauteur, on peut juste passer en dessous, voilà, comme ça. Et on va mettre une ligne comme ça de dalles qui va se prolonger sur tout le long de la maison, sauf évidemment au niveau des escaliers, hein. Hop, hop, et on fera ça à chaque étage. Donc on s'arrête ici pour l'escalier et on reprend là. Hop, la même chose pour cet escalier ici. Hop. Hop, d'accord. Alors, une fois qu'on a ça, on va faire la même chose au niveau du 2e étage. Donc ici, hein, tac, 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 tac. On va faire tout le tour de la maison. Hop. Et... ok, déjà tout de suite, ça donne un cachet supplémentaire à la maison. On va refaire la même chose au niveau des autres étages, bien sûr, hein, ici. Vous voyez. Par contre, on n'en mettra pas au dernier étage, au dernier niveau ici. Parce qu'il y aura le toit et tout, donc ça va être embêtant. On en met juste ici. Ok, alors paf, hop, ok. Alors maintenant je vais vous montrer comment faire une fenêtre, à la limite 2, mais ça sera toutes les mêmes façons de faire partout en fait, ok. Donc cette fenêtre là va servir d'exemple. On va mettre une ligne de dalle au niveau du bas de la fenêtre, on va mettre quand même des vitres, parce que c'est vrai que j'y pense pas forcément, mais hop, on met des vitres bien sûr. On va mettre des trappes en chaîne sur les côtés et on va utiliser des ficelles ici comme ça sur, sur le haut, ok, comme ça, ça se voit pas très bien mais vous voyez un peu ce que ça donne, et comme ça on va pouvoir mettre des tapis blancs comme ça qui sont posés juste au dessus de la fenêtre ici comme ça, vous voyez, tac tac, juste au dessus de la fenêtre, et comme les fils ne se voient quasiment pas, et eh bien lorsqu'on est loin de la maison on a l'impression que ça nous fait une espèce de petit volet pour la maison, quelque chose comme ça. Vous voyez. Hop. D'ailleurs, je remarque que moi j'ai mis que sur un seul bloc de large devant les devant les fenêtres et que je viens d'en mettre 2. Donc c'est pas une bonne idée. On n'en met que sur un seul bloc de large comme ça. Très bien. Et l'idée c'est qu'on va faire ce style de fenêtre là absolument partout sur toutes les autres fenêtres. Au niveau des porte, c'est un petit peu différent, on va réutiliser les vitres pour les mettre sur le 3e bloc de hauteur. On va utiliser des portes, un truc vous auriez pas imaginé, ici comme ça, tu vois. Et puis pareil, on va mettre hop, des ficelles ainsi que des tapis pour que ça donne un côté plus sympathique. Une fois qu'on a ça, il nous reste à la limite les fenêtres de 1 bloc de large, hein. Et bien là pour le coup c'est encore plus simple. Alors, hop, ici, bah là pareil, hein. Hop, ce sont juste des vitres avec des trappes que d'un seul côté. Une dalle, hop, ficelle et tapis par-dessus, tout simplement. Et puis voilà, ça sera comme ça partout pour toutes les fenêtres. Maintenant, on va commencer les parties compliquées. On va faire le toit, d'accord? Donc là... c'est un peu la partie technique du tutoriel, je vous cache pas. Je vais vous montrer déjà comment faire une partie et puis le reste ça ressemblera beaucoup. Donc sur cette partie là du toit, vous voyez, on va mettre des blocs de pierre taillée, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, voilà, des pierres taillées sur hop, le bord comme ça de notre toit, d'accord. On va venir mettre des escaliers en pierre taillée par dessus. Ok, face au mur. Et on va aussi en mettre en dessous. Vous voyez le dernier bloc qu'on a mis ici, comme ça, ainsi que comme ça. Donc on met bien un bloc de pierre taillée sur le mur de ce côté-là. 2 blocs en dessous du dernier. D'accord? Un escalier au-dessus, un escalier en dessous, à l'envers, et comme ça. D'accord? Et au-dessus, on va juste mettre une dalle. Ok, normalement la dalle, si vous avez bien suivi le tutoriel, hop, normalement si vous faites une grande ligne comme ça, vous arrivez pile poil au-dessus de l'autre en face ici comme ça. Et ici vous êtes à la même hauteur. D'accord? Donc ce pattern là de toit, en fait on va le prolonger sur toute la longueur de du toit en fait tout simplement. Ainsi que de 3 blocs par devant. D'accord? Donc on va venir faire comme ça 1, 2, 3 blocs avec des escaliers et tout ça, et on va le mettre jusque là, le prolonger jusque là avec les escaliers comme ça, les escaliers comme ça, hop, et etc. Vous aurez compris, hop, et on rajoute à chaque fois les escaliers et pareil dans ce sens là jusqu'à évidemment que vous touchiez cette partie là de la maison, et sinon vous prolongez tout jusqu'à l'autre côté, jusqu'à prolonger de 3 blocs par devant les façades. Ok, allez c'est parti. Ok, donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble lorsque c'était pas tout à fait fini, mais c'est très utile pour comprendre. Ok, donc voilà un peu ce que ça donne lorsque l'on met, lorsqu'on prolonge le toit, c'est-à-dire que ici j'ai prolongé juste les parties en blocs de pierre taillée, d'accord? Donc l'idée, c'est que la pierre taillée qu'on avait posée ici comme ça, donc on le prolonge sur 3 blocs par devant la façade comme ça, puis sur tout l'arrière comme ça, et une fois qu'on a notre façade ici, ben, tout simplement on repose la pierre taillée de la même façon qu'on l'avait faite sur la première façade, et puis on prolonge vers l'arrière jusqu'à ce que ça se rejoigne comme ça, vous voyez, ici comme ça, vers l'arrière, ça se rejoint ici comme ça, tac 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 tac. Et ça nous fait ça comme ça. Alors, le truc, c'est que les blocs qu'on avait posés sur le côté ici, ben pareil, on le prolonge jusqu'à l'arrière. Sauf que, arrivé à un bloc derrière la partie en grès taillé ici, bien on met les pierres taillées comme ça, tout simplement. Et la même chose de l'autre côté ici, vous voyez, là vous avez rien, vous avez juste le coin de la maison. Eh bien, on rajoute quand même des pierres taillées ici comme ça pour faire le toit finalement, hein, pour compléter le toit. Ok, une fois qu'on a ça, on va utiliser les escaliers pour pouvoir les mettre à l'envers en dessous comme ça. Hop, hop. Alors si, voilà, avec la fenêtre, ça peut être un petit peu compliqué de poser les blocs. Faut trouver, hop, comment faire. En dessous ici, on va rajouter un bloc, et donc on a un toit beaucoup plus smooth, j'ai envie de dire. Donc en français, je sais pas trop comment, lissé peut-être, qu'on pourrait traduire. Et une fois qu'on a ça, on va rajouter par-dessus les blocs de pierre taillée, on va rajouter des escaliers et des blocs de grès, d'accord, avec des dalles en grès aussi, donc ça j'avais déjà. Escalier en grès, tant qu'à faire. Hop, on va utiliser des blocs de grès par-dessus les blocs de pierre. Hop, ok, comme ça. Puis les escaliers, tac, 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 ok. Pareil sur le dessus, bien sûr. Hop. Hop, on n'oublie pas la petite dalle à ce niveau-là. Et vous voyez que ça donne un habillement au toit qui est assez intéressant. On va prolonger la partie en grès ici comme ça sur le côté. Et on va rajouter une dalle, une ligne de dalle ici comme ça, voilà, sur le long du toit. Ok, de chaque côté. Hop. Ok, comme ça. Et d'ailleurs c'est un truc qui est assez rigolo, j'aime bien moi ce genre de façon de faire, mais il faut bien admettre que ça fait un peu bizarre, ça fait un peu, vous voyez donc les grès comme ça qui est un bloc très clair au-dessus de la maison qui est en rouge déjà, avec plein de décorations et de détails dans tous les sens. Moi ça me fait un peu penser à un gâteau d'anniversaire, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, mais si ça vous fait le même effet. Mais avec toutes les couleurs, les aménagements, les briques, les parties en végétation, donc en vert et tout ça, ça ressemble un peu à un gâteau, vous savez, donc avec des espèces de... de trucs comme ça, ça ne... Enfin, je sais pas, non? Avec la chantilly au-dessus. Bref, peut-être que ça fait qu'un mois que ça le fait, hein, mais... Enfin bon bref, donc du coup... Donc pour faire notre petite charpente qu'on va mettre en dessous du toit ici, hein, comme on avait fait, hop, à ce niveau-là, vous voyez, au niveau de chaque toit, comme ça, on met une espèce de charpente en grès en dessous, qui donne un aspect très très cool aux fenêtres, comme ça, hein, vous voyez, etc., etc. Et donc on va les faire, hop, en grès bien sûr. Donc je vous invite à vous... à compter à partir du bas du toit 1, 2 et 3 blocs. On enlève l'escalier ici. On met 1, 2 blocs de grès. La même chose de l'autre côté, hein, ici en plein milieu. 1, 2, d'accord. Escalier à l'envers, comme ça de chaque côté. On remet 1, 2 blocs de grès, 1, 2 blocs de grès. On prend des escaliers, on les met comme ça. Comme ça, d'accord. À l'envers, à l'envers. Ok, puis des dalles comme ça, et ça nous fait une petite charpente qui est ma foi très très bien, très bienvenue. Et il faudra faire la même chose pour chaque escalier, pour chaque toit bien sûr, pour chaque partie du toit. Donc la manière dont on a fait le toit ici, vous voyez la façade du toit, ça va être la même chose pour cette partie là, qui va être la même chose pour cette partie-là, qui sera la même chose pour la partie ici, sauf que pour la partie à ce niveau-là, on va faire quelque chose d'un petit peu particulier, vu qu'on va prolonger le toit. Donc normalement on place les blocs ici comme ça, hein. Tac, 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 tac sur le côté. Faut pas oublier les blocs du côté ici, hein. Tac sur le côté comme ça, plus la dalle au-dessus, j'ai perdu la dalle. Hop, tac, et on va prolonger en fait le toit au-dessus de cette partie-là, bien sûr, sur 1, 2, 3 blocs par devant. Évidemment, il faudra prolonger jusqu'ici. Et on va prolonger le toit comme ça sur, voilà, 3 blocs. Tac, 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 tac. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Etc, etc. Et donc sinon, à part ça, on fera la même chose, sauf que cette partie-là va rester vide, et cette partie-là ici restera vide, hein, bien sûr. Hop, donc c'est à ce niveau-là, et vous voyez que ben il n'y a pas de truc ici. Si, on a mis des escaliers, mais bon. Mais c'est juste de la finition, vraiment. Ah, tiens, il y a un arbre. Mais sinon c'est pareil. Alors au niveau de notre charpente ici comme ça, on va juste mettre des escaliers ici comme ça pour faire plus joli. Hop. Et on va en rajouter ici aussi, c'est-à-dire qu'on va rajouter des grès, des dalles, des blocs de grès comme ça. Ok. Hop. Et on va rajouter aussi du coup des escaliers. Tac tac. Pour que ce soit un petit peu plus joli. Voilà, comme ça. Par devant. Faudra, évidemment, il y aura le toit au-dessus de tout ça, bien sûr, hein. Et paf, j'ai fait la moitié du toit pour vous montrer du coup comment la faire de l'autre côté. Vous voyez, on va faire des fenêtres comme ça. Mais en gros, le reste, hein, c'est la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc de ce côté-là, j'ai juste mis en place les lignes de blocs de pierre taillée, d'accord, avec juste les morceaux en sandstone à la fin. Et on va faire les fenêtres dans le mur. Donc je vous invite à prendre ici, vous voyez cette poutre là, donc de la terrasse. Il y a 5 blocs à ce niveau là, on prend le bloc du milieu, on vient au dessus et encore au dessus, on crée un trou d'un bloc et de 3 blocs en dessous, d'accord, et ça va être notre point de départ pour faire la fenêtre, hop, qui va donc voilà, se faire d'un bloc, d'accord, ok, qui va donc se faire comme ça. Hop, 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 hop. Ok. Et du coup, de cette façon, on va pouvoir faire une fenêtre. Alors, on va utiliser les escaliers en pierre taillée, bien sûr. Comme ça, par-dessus. Hop. Donc, normalement, vous avez que ça comme ça. Hop, tac, tac. À l'envers, on a ça comme ça. Hop. Etc, etc, hein, évidemment. Je finis pas tout le mur parce que sinon la vidéo va prendre 50 ans à finir. Donc une fois qu'on a ça, on va aussi rajouter quand même des escaliers par-dessus. Tac, tac. Et comment, des dalles en pierre taillée qu'on va mettre ici comme ça, d'accord, donc sur 3 blocs sur le haut là. Et par devant tout ça, alors on va mettre les escaliers à l'envers aussi quand même en dessous. Hop, hop, ok. Hop, sur la partie intérieure du mur aussi. Hop, comme ça. Et alors on va mettre une ligne de bloc comme ça. Hop, ici aussi. Hop, ici aussi. D'accord. Et par-dessus tout ça, on va rajouter évidemment du grès, donc des escaliers, des blocs, des dalles en grès. Hop, hop. Ok. Une dalle en grès, est-ce que j'ai ça quelque part? Je crois que j'en avais mis une ici. Yup. Et on va rajouter ça comme ça. D'accord. Donc là, voilà, c'est vraiment la façon dont on va faire la fenêtre. On va prolonger ici les dalles comme ça, bien sûr. Et le bord du toit sera comme ça. On prolonge le bord du toit comme ça. Et on va faire une deuxième fenêtre à ce niveau-là, la même chose que de l'autre côté, d'accord? Donc ici, on va enlever sur 3 blocs de large autour du trou qu'on avait laissé la dernière fois. Donc on creuse un bloc en dessous. Le bloc au-dessus, on met du grès, d'accord? Et puis on fait une fenêtre autour de ça. Donc l'idée, évidemment, c'est que l'on va reprendre les pierres taillées. On va refaire, hop, ça comme ça. Comme ça, voilà, comme ça on refait la même chose qu'à côté, tac 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 tac, d'accord. Et puis les escaliers comme ça, hop, ici aussi, ok, à l'envers. Donc pour l'instant ça donne ça. Ici on va faire comment? On va faire à l'envers. Et comme ça, on reprend les dalles en pierre taillée, comme ça, un bloc en dessous, une dalle par devant, des escaliers par devant, hop, hop. Alors, du grès, voilà. Voilà. Et on rejoint la dalle qu'on avait mis ici pour le premier toit. D'accord? Et donc, on va faire vraiment une ligne de dalle à ce niveau-là, sauf que ça sera une ligne de dalle qui va suivre le toit et non pas juste le tour de la maison comme on avait fait pour les étages du dessous. Voilà, et donc le toit, le reste du toit, on va le faire exactement de la même façon que ce que je vous ai déjà montré. Hop, voilà, donc avec des escaliers, avec des blocs et tout ça et tout ça. Hop, je vais juste vous montrer pour l'autre côté. Hop, voilà. Juste vous montrer pour l'autre côté de la maison, il y aura une petite subtilité. Hop, lorsqu'on aura mis nos 2 fenêtres comme ça. En fait, sur ce côté-là, vous voyez, eh bien... on va prolonger le toit ici comme ça. Hop, tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Et on va faire un toit artificiel qui va venir par devant en fait la maison comme ça, par devant la façade. Putain, j'avais fait un truc en trop ici d'ailleurs moi. Hop. Alors, on va reprendre. Voilà. Les escaliers. On s'arrêtera bien à cette ligne-là, hein, bien sûr. Hop, on reprend le grès et on reprend évidemment, bah voilà, le reste de la, hop, de la, comment on appelle ça, du toit qu'on avait déjà fait. Hein, on reprend la même façon de faire. Paf, 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 etc., etc. Mais vraiment pour vous montrer que cette partie est un petit peu spécial. On prolonge le toit ici sur le côté. Sinon le reste du toit ici c'est la même chose que ce qu'on avait déjà montré. Ici aussi pareil. Alors maintenant il reste 3 sortes de toits à montrer. Et donc c'est pas un cadeau ce mot là. Il y a celui du dessus ici, donc qui est le plus compliqué. Et il y en a 2 autres en fait qui sont assez petits. Vous voyez, donc ce sont des toits qu'on a mis juste au dessus ici de l'entrée de la maison comme ça, d'accord, et ici pareil un peu plus petit toit comme ça, et c'est cela que je vais vous montrer maintenant. Donc voilà où on en est arrivé. En fait on va changer un peu la maison. Oui vous savez hein, je change les choses que j'ai déjà faites, c'est normal, c'est ma façon de faire. Donc on va prendre donc la partie qui a la fenêtre qui est juste au dessus du tunnel ici. On va un petit peu la modifier, on va enlever les machins comme ça, les lignes de quartz, d'accord. On va même carrément enlever la brique pour mettre à la place de du grès. Hop, comme ça, d'accord. Une fois qu'on a ça, on va venir utiliser les pierres taillées. On va en mettre une à 2 blocs au-dessus de la fenêtre. Puis après, on les met comme ça. Hop, hop et hop. D'accord. Et une fois qu'on a ça, eh bien on les prolonge sur 2 blocs par devant la façade. On utilise les escaliers du coup pour les mettre comme ça par-dessus. Tac tac. Hop, ok. La même chose en dessous. Hop. Et une dalle par-dessus, comme ça. Bon, alors, une fois qu'on a ça, on va venir mettre par-dessus toutes ces choses-là, et bien évidemment du grès, hein, comme je vous ai déjà montré. Hop, 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 des escaliers en grès. Hop. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. La même chose, les escaliers en dessous, hein, je vous remontre pas. Et les dalles, hop, comme ça, au-dessus. Ainsi que les dalles du côté comme ça, tac tac comme ça, vous voyez, donc toute la ligne de dalles ici, elle se confond avec le bord du toit. Voilà un peu l'idée, bon il manque un bloc ici mais voilà un peu l'histoire. Donc les dalles que j'avais enlevées, on les remet jusqu'au toit bien sûr, hein, on les recolle au toit. Et du coup voilà pour cette partie là. La partie qu'il y a sur le côté, elle est un petit peu plus grande. Hop, donc elle fait bien 3 blocs par devant la maison. Ok. Donc, on va reboucher une fenêtre également. Vous prenez le 3e étage, le 3e niveau ici, et vous bouchez la fenêtre complètement. Hop. D'accord. On vient utiliser des pierres taillées qu'on va mettre en plein milieu ici. D'accord. Puis... après sur le côté, on enlève voilà, les dalles pour l'instant, on les remettra après. On met des blocs comme ça. Tac et tac. D'accord. Et on refait la même chose, hein, la même fenêtre. Sauf que ici, on mettra 3 blocs de pierre taillée devant la maison, devant la façade. D'accord. Tac, 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 tac. Ok, donc je vous remonte pas, hein, c'est... voilà. Yep. Voilà un peu hein, ce qu'on obtient. Hop, on va juste réduire un peu la fenêtre ici comme ça. Et on va remettre les dalles ici sur le côté. Voilà, on fusionne avec le reste ici du trait de dalle. Alors, à ce niveau-là, on va juste rajouter un peu ce qu'on avait fait sur les autres façades. C'est-à-dire qu'on va utiliser... du grès comme ça, tac tac, paf tac tac, et on va mettre hop des escaliers, tac tac. Est-ce qu'il y aura assez de place? Je sais pas si on en mettra 2. Ouh, c'est bizarre. Ça devait pas être comme ça que je l'avais fait. Comme ça peut-être. Pour faire une charpente, vous savez, à l'intérieur du toit. Du coup, voilà un petit peu l'histoire. Au niveau du toit, je pense que je vous ai montré le toit. Ah bah non, du coup, il reste le grand ici. Ok, on va faire ça. Donc, déjà dans un premier temps, on va prendre les pierres taillées et on va venir les mettre, hop, ici comme ça sur le côté. On va les laisser dépasser un petit peu. Alors ça va être un petit peu compliqué hein, de faire ce toit là, puisqu'il y a les autres toits autour. Il faudra passer au-dessus, donc voilà, ça va vraiment la partie un petit peu technique. On va rajouter des blocs comme ça. Ok, ici au-dessus. Non, on va mettre une dalle au-dessus. On va mettre un bloc au-dessus. Et hop, ici en dessous aussi. D'accord. Tac. Alors, lorsqu'on est collé avec l'autre toit, bah, on va tout simplement fusionner les toits entre eux. Hein. Ici, comme ça. Tac, tac. Hop, pareil ici. Tac, tac. Ici, est-ce qu'on le fusionne? Oui. Hein. Hop, ici comme ça. Non, on va pas faire ça comme ça. Ici, sur le haut du toit, on va rejoindre les blocs de cette façon. Tac, tac, comme ça. D'accord. On fait le haut tout de suite, comme ça, c'est fait. Puis après, on met des escaliers partout. Hop, on met des dalles taillées au-dessus et on va rajouter 3 dalles en plein milieu, histoire de donner un effet d'arrondi au toit. D'accord? Hop, paf, paf, paf. Voilà, on met 2 blocs par devant, comme ça, les blocs qu'on met. Hop. Voilà un peu comment on fait. Je vous montre un côté, l'autre côté sera exactement le même, hein, vous avez compris, avec l'habitude. Donc je vous montre ce côté-là, ce sera pareil. Donc une fois que l'on a ça, on va rajouter les escaliers. Les escaliers qu'on va faire comme ça également. On va faire comme ça avec également. Hop. Ok. Puis après comme ça, après le reste c'est assez classique. Hop. Mm-hmm. Ok. Donc voilà ce que l'on a. Vous voyez que là on commence à avoir quelque chose. On met évidemment les escaliers à l'envers ici comme ça. Tac, tac. J'arrive pas. Voilà, ça aussi l'un des problèmes avec cette maison, c'est que du coup pour placer les blocs des fois c'est assez compliqué. Hop. D'aucuns diraient que c'est un gage de qualité. Bon, à voir, à voir, à voir. Ici aussi à l'envers. Tac, tac. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Comme ça. Ok. Donc, une fois qu'on a ça, on va rajouter des blocs par-dessus pour faire la partie en grès. Hein. Il semblait pourtant que au-dessus, comme ça, c'était une dalle. Il y a bien 2 blocs ici. Un bloc et un truc au-dessus. 2 blocs, un truc, au-dessus. Ouais, non, c'est ça. La ligne de blocs qu'on a mis juste au-dessus, comme ça, normalement, ce sont des dalles. Effectivement. Hop. D'accord, donc on fait ça comme ça. On met des blocs par-dessus, comme ça, aussi. Alors, sur le devant, par contre, on va faire un truc un petit peu différent. On va le faire comme ça, peut-être. Faut que je me... Voilà, donc ici sur le devant, on va faire quelque chose d'un petit peu particulier. Sur le côté, donc au-dessus de ce toit-là, on va, à la place de mettre une... comment dire, des escaliers ici sur la ligne, on va juste mettre un bloc comme ça. Et on va mettre... Hop. Des blocs de cette façon. Ou des dalles en tout cas. Ouais, alors mettre un escalier à l'envers là-dessus, Hop. Est-ce que j'ai bon? Ouais, ça a l'air d'être bon. Ok. Ici, pareil, l'escalier à l'envers, comme ça, comme ça. Ok, donc là, du coup, malheureusement, on touche le haut de la fenêtre. Alors, bon, soit on peut laisser comme ça et vous dites c'est ok. Soit, moi, ce que j'avais fait sur le modèle, c'est que pour bien séparer la fenêtre du reste du toit, eh bien, j'ai enlevé le bloc qu'il y a sur le coin ici. Voilà, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Si c'est comme ça que vous préférez, donc quand tout est joint ou quand il y a un trou ici, ça c'est vraiment une question de principe. Moi je l'ai enlevé personnellement. Hop, une question de principe, c'est pas du tout une question de principe, c'est une question d'esthétique, de goût, mais voilà. Hop, hop. Voilà, donc il y aura la fenêtre ici. Et maintenant, la partie rigolote, mettre les escaliers à l'envers en dessous, alors que on n'a pas la place. Hop. Hop. Oui, donc ça va être un truc un peu comme ça. D'accord ? On fera la même chose de l'autre côté, en tout cas là où on a la place de faire des choses, genre pareil ici comme ça, ici donc ça sera un grès, là on va mettre un bloc plus un autre bloc par devant, donc des dalles comme ça, qui est très bien, hop, escalier à l'envers, escalier à l'envers. Ça me paraît bizarre, c'est comment que j'ai fait l'autre coup là? Bah si c'est ça aussi. Ok. Ok, ok. Puis après comme ça. Puis alors, comme ça. Et puis après voilà, on finira le toit de l'autre côté de la même façon qu'on l'a fait ici, hein, c'est-à-dire on joint vraiment les toits. Les toits fusionnent entre eux. Alors le petit truc du coup, c'est que ici vous voyez que il y a un trou, donc on peut le boucher un peu comme on veut, soit vous mettez plein de sandstone en dessous, mais c'est pas le mieux. Moi je trouve que le mieux c'est d'utiliser de la brique comme ça, tout simplement, peut-être en enlevant ici, en mettant une ligne, voilà, c'est un peu mieux, d'accord, pour que depuis l'intérieur on voit pas qu'il y a un trou dans le mur, que ça serait un petit peu dommage. Ok, donc de ce côté-là, on fera exactement la même chose. Voilà, donc j'ai complété assez rapidement le toit, je ne l'ai pas fini, hein, comme vous pouvez le voir. Hop, mais il faudra faire la même chose que de l'autre côté, bien sûr. Alors, on va rajouter quelques petites fenêtres, deux fenêtres. En fait, je vous invite à prendre le milieu de cette fenêtre ici, vous voyez. Et on va compter un bloc, deux blocs, donc ici, 3, 4 et 5 blocs au-dessus de la fenêtre d'en dessous, et on va faire hop, une fenêtre comme ça. On va donc du coup reposer sur les dalles de, pas les duos, les dalles, mais les blocs de grès qu'on avait déjà mis tout à l'heure. On va venir en mettre deux sur le côté comme ça, hop, un au-dessus, et on va faire la fenêtre autour de ça, d'accord. Paf, 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 paf. Hop, comme ça, d'accord, et on remet évidemment, bah, comme à chaque fois, les escaliers autour. Et c'est pour ça aussi que c'est assez difficile de les mettre, ce genre de petites fenêtres, parce que bah voilà, il y a tous les autres toits autour qui nous embêtent un petit peu. Hop, on remet les dalles, non pas du tout, hop, les dalles comme ça. Hop, le grès, alors les escaliers, tac, 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 tac et tac. Et voilà, ça nous fait une petite fenêtre, mine de rien. Bon, évidemment, faudra mettre de la vitre dedans. Mais voilà ce que ça donne, en gros, hein, c'est plutôt sympathique. Il faudra mettre la même chose de l'autre côté. Je suis en train de me poser la question, est-ce que j'ai pas mis un bloc en trop? Ouais, voilà. Donc J'ai mis juste un bloc trop long. Faudra le mettre. Hop. Plutôt comme ça. D'accord, faudra faire du coup la même chose de l'autre côté de la maison. J'ai plus de... Voilà, de machin. Tac, tac. Tac, tac. Ok. Voilà. Donc, hein, je rappelle la même chose de l'autre côté de la maison. On prend... Oui, alors du coup, là, le toit n'est pas fini. On prend la moitié... Enfin, le milieu de la fenêtre à ce niveau-là. On compte le bloc au-dessus. 1, 2... Alors 1, 2, 3, 4 et 5. À partir de là, on fait vraiment un trou. Ok. Et on va compter. Paf, 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 paf. Des blocs comme ça. Hop, on remet un bloc par devant. Hop, ici on prolonge. Hop, comment on fait? Voilà. Hop. Ok. Alors normalement ça se prolonge comme ça, mais on va enlever les parties ici. Quoique... Non. Non, 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 on garde les parties ici comme ça. On garde, on garde, on garde. Normalement, votre toit est comme ça. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire le toit et le transformer après. Parce que c'est plus facile, c'est plus lisible, je trouve. Hein. C'est pour ça que je fais des choses et qu'après, je les casse. Parce que c'est plus lisible malgré tout. Hein. Ça peut être paradoxal, mais c'est vrai. Hop, donc on refait comme ça. Tac, 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 tac. Et voilà. Et on refait une petite fenêtre comme ça. Alors, est-ce que j'ai tout dit? Il reste encore un escalier ou deux escaliers à faire à l'intérieur de la maison. Hop, donc ici, on a un escalier, si vous voulez, pour arriver au niveau du rez-de-chaussée. Donc on a plusieurs escaliers. Ici, cet escalier-là pour le premier étage, mais par contre, entre le premier et le deuxième étage, on n'a pas d'escalier. Donc l'idée, c'est de venir ici sur le coin de la maison, d'accord? Et on va creuser un trou de 4 blocs de large, ou de 3 blocs de large d'ailleurs. Attendez, il faut que je regarde ça. Hop. Non, c'est bien 4 blocs de large. Ou 3. Non, 3 blocs, effectivement. 3 blocs de large sur un escalier de 4 blocs de large, parce que la rambarde va fusionner avec la partie du dessus ici. Ok, d'accord. Je regarde aussi... Pour cet escalier là, donc cet escalier là, ok, il est comme ça, ça marche. Donc on va les refaire pour finir vraiment ce tutoriel, parce que je pense qu'on est vraiment vraiment pas mal. On va faire aussi les finitions, vous inquiétez pas. Donc ici on va faire un trou de 3 blocs de large ici comme ça, sur je ne sais même pas combien de blocs au total. Je vais mettre un petit peu de lumière quand même, parce que c'est vrai qu'on n'y voit pas forcément grand chose. Hop. Ok, on y voit un peu mieux. On va prendre les escaliers en grès et on va laisser 2 blocs comme ça par rapport au mur. De bord par rapport au mur. Ici, on va mettre une rambarde d'escalier en grès comme ça. La même chose sur le côté, mais cette fois-ci la rambarde fusionne avec l'étage du dessus. D'accord. Donc il faut bien faire un trou de 3 blocs de large sur 4, 5, 6, 7 blocs de longueur. Hop. Et on arrive comme ça. Hop, hop, hop. Vous voyez? Hop. Et donc on a notre escalier pour le deuxième étage. Et maintenant, hop, il y aura un mur ici en réalité. Donc un mur comme ça, on va faire une porte. Hop. Alors, Je ne sais plus du tout comment j'avais fait la porte, c'est de la décoration d'intérieur, donc pour ce qui est de la déco d'intérieur, comme je disais, c'est vraiment dans la... Ouais, bah si, c'est ça, j'avais mis un pilier, hein, effectivement. Hop. C'était vraiment dans l'autre vidéo, la vidéo de visite que j'ai déjà fait. Hop, hop, voilà. Donc voilà, on va mettre une porte ici. Ok. Et ici, sur le côté, déjà je vais mettre quelques éclairages. Et ici, sur le côté, on va mettre des escaliers. Hop, en grès comme ça. Hop, 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 qui passe devant la fenêtre, mais c'est pas grave. Hop, ok. Tout simplement. On rajoute un bloc ici comme ça pour pouvoir faire une barrière en escalier à l'envers. Comme ça, ça nous fait quelque chose d'un peu sympa. Hop. Alors, pourquoi il y a ça ici? Au niveau de la décoration d'intérieur, je vous ai déjà montré sur la vidéo de visite. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est vraiment les finitions. Hop. Alors, pour les finitions, je vais vous montrer sur le modèle, c'est plus simple. On va mettre ici sur le côté, vous voyez, donc des murets en briques du Nether et des feuilles en chêne noire, parce que moi j'aime bien la texture, mais évidemment vous pouvez mettre des autres types de feuilles, bien sûr. Comme ça, sur le côté des terrasses, plutôt côté maison. Vous voyez, donc collé contre le bord de la maison, comme ça, au niveau des piliers ou au niveau des coins. Tac, ici, comme ça. La même chose ici, vous voyez, tac tac, de la végétation du coup avec des murets et des feuilles, hein, à tous les étages comme ça. Au niveau du rez-de-chaussée pareil, hein, tac comme ça, tac. Alors on va mettre quelques lampes aussi à l'extérieur de la maison, donc avec des lanternes très classiques et des pancartes en sapin. Ici on l'aligne avec le milieu de la porte et le milieu du couloir. Vous voyez ici le couloir pour sortir de la maison. On a 1, 2, 3, 4, 5 blocs de large. Donc en plein milieu, on met une lanterne ici qui est alignée avec le milieu du couloir et le milieu de la fenêtre en face. Hop. Au niveau du dessus, pareil, on met la même type de lanterne. Et au niveau de la grande terrasse à ce niveau-là, on va rajouter 2-3 trucs. Vous voyez, donc ici, il y a les dalles en grès que l'on va mettre de cette façon. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau comment on appelle ça, des fenêtres, on va rajouter des lignes de dalles, comme ça. Ok. Ici, tac, 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 tac. On va faire un petit effet de style en mettant des dalles comme ça. Évidemment, il faudra faire la fenêtre au-dessus, mais je vous ai déjà montré, ainsi que les portes et tout ça. Ici, ben pareil, des dalles. Ici, des dalles comme ça. Pareil ici. Hop. Hop, hop. Par devant l'espèce de charpente qu'on mettra ici, bien sûr, hein. Hop. Tac. Ici, c'est déjà mis, sauf ici. Hop, comme ça, bien sûr, à chaque fenêtre, hein, ici aussi, pareil. Alors, ici, plutôt comme ça, peut-être, alors, du coup. Etc., etc. Eh bien, mes petites mesdames et mes petits messieurs, je pense qu'on a fini, effectivement, ce tutoriel. J'ai bien fait le tour et je ne crois pas avoir oublié de choses. Donc, on est plutôt cool. Le seul truc à la limite que je pourrais rajouter, c'est faire attention à l'éclairage, parce que c'est vrai que ça peut être cool, mettre de l'éclairage en dessous des comment on appelle ça, des fenêtres, pour bien éclairer, pour bien montrer votre maison, à quel point elle est belle sur vos serveurs, et vous la péter devant vos potes, bah c'est quand même plutôt utile. Mais sur ce, on se retrouve demain pour la prochaine maison, qui sera une maison moderne. Je vous avoue que ce tuto là est assez long à tourner, assez compliqué, c'est pas une maison facile, mais on y est arrivé. Merci à tous, je vous souhaite à tous un très bon jeu, bon vent Matelot, et à la prochaine.